Harry Potter. C'est X. Ah, allez, on fait un tour. J'ai déjà bien trouvé ce matin. J'ai chargé mon téléphone dans la voiture parce que j'avais plus de batterie. Je suis un peu dégoûté. Mon petit vide-grenier, environ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80 exposants. Oh, t'as pas changé d'avis alors? Pas encore. 30 euros, hein? 30 euros? Non, moi je t'ai proposé 25, mais je reste dessus. Il y a pas la dedans. Non, j'ai dit à votre fille, c'est la version rose. Oui. Faut pas l'avoir dans Vigrone, et c'est la version Animal Crossing en plus. Ouais. Ouais, bah oui, je vais dire avec le, vous avez dit. Le petit lot à 50-60 balles, c'est mieux que 10 euros de ce que vous avez vendu ce matin. Ouais, non, mais c'est l'eau, elle s'en fout déjà. Elle fait la gueule. Elle fait la gueule. 40 balles, hein. Moi, je te la repris à 30. Elle va pas s'en fout. J'ai la boîte, mais j'ai pas la console. Bah écoute, fais des ménages chez papa maman, t'as dit de donner 40 euros. Allez, bon courage. T'as pas revendu des trucs depuis ce matin, non? Non. Bon, moi j'ai déjà trouvé les jeux que je voulais, je suis content. Game Boy, ah bah non, tu m'as dit que t'as tout sorti. Non, les dernières de Game Boy qui me restent, je les garde, c'est les Pokémon. En boîte? J'en ai une en boîte avec le livret, c'est la version verte. En japonais. En version Jap? Ouais. Un vert feuille ou émeraude? Game Boy Advance? Game Boy. En fait, il y a eu. Ah, la Game Boy, tu me parles. Ah, pardon. La Game Boy frigo, la fat? Ouais. Ouais, c'est un verte, elle est pas courante. Non? Ça a augmenté les prix. Ouais, ouais. Après, moi, 30 ans, je fais waouh. Ouais, ouais, non, il faut la garder, ça, là. T'as bien raison. Oh, tout ce qui est... Moi, je les ai toutes, les Game Boy, mais la verte, elle est pas courante. C'est comme la rouge. T'as la rouge et la jaune aussi, Game Boy Fat, là, les frigos, les premières. Et la bleue aussi. La bleue aussi. J'ai trouvé deux fois, ça. C'est pas courant. De toute façon, les plus courants, c'est les gris et les noirs. Après, faut faire attention, t'as des Game Boy, à l'époque, elles étaient comme la vache qui rit. Non, pas la vache qui rit. Si, la vache qui rit. Non, c'était les chocolats, pardon, autant pour moi. Les chocolats, la vache, là, et tout. Milka, il y en a, le monsieur, il dit, oh, c'est un autocollant. Quand j'ai acheté, il m'a dit 10 euros, j'ai pris tout de suite. Ah, c'est la version Milka. 10 euros. En boîte, hein. Ah ouais, il y en a. Allez, merci.
On a déjà tout ratissé. Il y a une DSI qui est tombée à 10 euros. Excel. Il y a une 3DS qui est tombée à 20 euros avec deux jeux. Mais rien d'exceptionnel. Moi j'ai trouvé de la Mega Drive, manette PS4. Qu'est-ce que j'ai fait? De la DS, RPG DS. Pas mal de jeux. La Wii U sous blister. J'ai fait. Mais bon, ça va, on était quand même 4 ou 5 chineurs de jeu. Ouais. Bonjour. Bonjour. Il est complet. Oui, mais sauf qu'il n'y a plus la lave. Il n'y a plus la lave. Il y avait une lave. Ah, rouge là. Ah mince. Ah, bah, oui. C'est dommage. C'est le truc qui marche tout de suite hein, quand vous avez les enfants. Ouais, ouais, non, ouais, pour mes neveux, ils auraient aimé. Ouais, c'est ça que vous dites là, c'est qu'ils se branchent vers les. C'est dommage. Vous le vendez combien ça, juste pour savoir? 4. 4, ouais, c'est correct. Bon, pas dommage. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. Dommage. Petit truc Pokémon. Ça aurait été sympa dans la collègue. Ah, mon téléphone. C'est pour ma vidéo, c'est pour ça. Bon petit stand. King Kong est vendu. Tu l'as vendu? Ouais, bah combien tu as vendu? 5? 6. Ah, 6, bah t'as gagné 1 euro sur moi. Ah, regarde la notice, ouais, je te l'aurais pris. Celui-là, le mec, il a hésité à le prendre. Hein. Ouais, tu peux. 9 euros. Tu peux 9. 4 euros. Oh, c'est bon. Je t'ai fait un boulot. Ouais, ce matin. Vas-y, à 5, je te laisse. 4. Ouais, là, c'est un beau. C'est un beau petit jeu sur. Quel est un outil? La boîte, elle est pas top top, mais. Bah ouais, bah après, ça y est. De toute façon, ça va, j'ai pas la GameCube Jam. Ouais, ouais, ça le fait. Allez, 5 euros, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonjour, ouais. Au revoir. Allez, à bientôt. Ah, je fais mon dernier tour. Pour la PS3 puis ce matin, pas de touche pour la PS3. Ah, mais je t'ai dit, c'est pas vite rodé, faut les vendre. Elle est en super état, elle est franchement, elle est état nickel. C'est bon, 1000 bandes sur le bon coin. Ou comme je t'ai dit, hein, ils aiment bien si c'est 500 gigas. Ils la reprennent entre 45. Ouais, ben, en vite grenier, bon, c'est les prix à 20 euros qu'on cherchera en max. Ouais, ouais. Après, peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui va la prendre à ce prix-là, mais je pense pas. Ça fait des années que j'achète du jeu, je pense pas. Mais je croise les doigts. Allez, bonne journée. En direct, 5 euros. T'avais pas retrouvé de jeu ce matin? Le jeu? Ouais. Bon, ça va, je suis content de ce que j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé un Mega Drive, je suis content. Moi je te remercie encore. Allez, bonne journée.
mienne. Merci. Et ben, y en a des vendeurs pour Tirana. Je vais vous en faire Salut. Bon, je travaille à la caisse parce qu'on était en vide-grenier ce matin. Bref, on a fait du vide-grenier bien rangé. Sympa, mais pas grand chose. Bon, on commence par une petite baisse de slim. Et ta correcte en manette avec GTA 4, le guide, pardon, le guide, et un PS pour 10 euros. Ça va, c'est correct. Là, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait normalement. Je sais qu'au début. Tout de suite, au début, j'ai fait une manette PS4. J'adore. Un jeu Mega Drive au même vendeur. Il était posé dans le coffre. Je suis arrivé, j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, demandez ça. Complet. Avec Mario Kart. Complet, la boîtier complet, on va pas tout sortir. Plus. Un jeu RPG, je le connaissais pas celui-là, dit Labyrinthe, pour 15 euros. Correct. Prix vide grenier. C'est pas grand chose, mais après une personne juste à côté, j'ai pris la Google Home pour le plaisir. Plus un jeu GameCube One Piece en version Jap. Pour 6 euros. Elle voulait 10. J'ai négocié 5. Elle m'a dit allez 6, c'est bon. Après, sur un mec qui avait des 2-3 bricoles en jeu vidéo, j'ai pris. Ouais, il y avait 2-3 trucs, des mallettes pourries. Mais... Un Mario Bros. U sur Wii U. Elle était superbe. Elle va rentrer dans la collection, je pense. On va juste nettoyer l'étiquette là. 2 euros. J'ai eu pour 2 euros un Spyro. Il y avait un Mundark complet sur PS3 aussi pour 2 euros. J'ai négocié 5 balles de l'eau. Alors j'ai filmé, comme vous avez pu voir. J'ai filmé. Mais c'était ma femme qui a été chargée le téléphone entre temps. C'est. Plus batterie. J'étais dégoûté parce que je voulais tout filmer. Parce qu'on m'a redemandé de filmer les vide-greniers. Bon, bah, j'ai filmé une transac ou deux, je crois. Mais bon. Pour 3 euros, j'ai eu un sur instant, un jeu PS4, Diablo. Pour 1 euro, négocié 2 les 3, j'ai pris Just Dance Kit. Pour la collecte, un jeu que j'ai pas trop vu souvent, Shrek 4 avec Shrek, genre Mario Kart mais avec Shrek. J'ai trouvé ça original, je l'ai pris. Et ça pour échanger, je sais que ma fille aime bien un petit Job Island. Un mini-jeu, je ne connaissais pas celui-ci, prof de gym, dentiste, cascadeur, babysitter, instituteur, job. 2 euros le lot, rien à dire, des Dino Walker. Hein. Et sur un stand d'une dame, voilà ce que j'ai trouvé, hein, mais il reste 3 jeux. Et sur un stand d'une dame,
dans des DVD, je trouve, pour 1 euro, un jeu Play, c'était, pardon, pour 2 euros, parce que c'était tout à 2 euros aussi, Tekken 3 sur PlayStation 1, dans un état superbe. J'ai pris un Alone Dark, Tom Clancy Edward, pardon, putain, je suis fatigué, sous blister, et pour moi, c'est la, avec le Mega Drive, la plus belle pièce du lot. Un jeu Wii U sous blister, Wii Party, j'ai pas compris en ce moment, la cote est en flèche. Et ben celui-ci, il est déjà pourvu à l'échange. It's party time, vous venez faire la fête Wii U. C'est moitié anglais, moitié machin, enfin c'est... Voilà, voilà. Ben, celui-là, on va pas l'ouvrir, on va le laisser sous blister. Ça, ça a dû être un jeu qui a été acheté encore en solde ou un truc comme ça, et puis du coup, ils ont pas joué avec. Celui-là, il part à l'échange, j'ai un collègue à moi qui fait du jeu blissé. Voilà. Pardon. Pardon. Allez, les amis. Je suis un peu malade, c'est pour ça. J'aimerais, j'ai un peu les souffrances. Et je vous souhaite le week-end prochain, pas de vide-grenier. Je fais de la détection pour le week-end. Et puis ça reprendra compte. Il y a une vidéo qui sortira le week-end prochain. C'est la vidéo du week-end dernier, j'ai pas tout filmé. Bon. Bref, allez, ciao, ciao.